Moi, je vous l'ai dit, les 24 heures, c'est un moment absolument extraordinaire. Là, c'est la gastronomie, mais la gastronomie de luxe qui est venue jusqu'à nous, l'Italie, un chef multi-étoilé qui est avec nous. Bonjour, comment ça va? Buongiorno. Bah, écoutez, très content d'être là. C'est depuis 2008, quand je suis arrivé en France, pour moi, les 24 heures du Mans, c'était toujours une grande passion. Je me rappelle encore de la première fois que je venais en voiture. J'ai dormi en voiture et maintenant, bon, je dors dans une tente. Ça a un peu évolué. Mais comment elle est venue, cette idée de proposer ta nourriture, en fait, ta gastronomie? Parce que je trouvais que la nourriture, elle n'était pas mauvaise, mais on a toujours cette impression que quand on a des gros events comme ça, on a quelque chose qui est un peu moyen gamme. Et moi, je trouve que aussi les gens aujourd'hui, beaucoup de clients, beaucoup de gens qui sont là, c'est des clients qui viennent dans mon restaurant et qui souhaitent trouver une belle gastronomie, même si c'est simple, même si c'est dans la street food, mais que ce soit gourmand et que ce soit généreux. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir un bar à pâtes. Les pâtes, elles sont produites sur place, elles sont produites ici, avec des produits locaux. C'est toi qui fais tout, donc? On fait tout de A à Z, avec un support local. Et ça marche en façon incroyable. Je pense qu'on n'a jamais fait autant de carbonara. J'ai jamais fait autant de carbonara de ma vie entière. C'est genre, par exemple, le chiffre, juste pour qu'on ait une idée. Bah, seulement pour vous dire, hier, on a passé 280 kilos de sauce carbonara. Et on était obligé d'appeler tous les traiteurs locaux pour essayer d'avoir du guanciale. Et on a même envoyé quelqu'un en voiture à guanciale, Paris. Guanciale, mais que cosa? Guanciale, c'est le jus de porc, justement. C'est la seule charcuterie qu'on a le droit, justement, d'utiliser pour faire de la carbonara. C'est pas de la pancetta, c'est du guanciale. Et on était obligé d'envoyer quelqu'un jusqu'à Paris pour en trouver, parce qu'on était en retour de stock. C'est génial, c'est fabuleux. Donc ça veut dire une fermeture très très tard ou très très tôt ce matin? C'était très très tard et très tôt. Et j'ai eu des clients qui sont venus au moins deux fois par jour, tous les jours qu'on était ouvert. Per mangiare la buona pasta, c'est incroyable. Et moi j'ai envie de manger des pâtes aujourd'hui, c'est pas possible, je peux pas ne pas manger les pâtes. La pasta, non? La pasta est la vita, comment dire. Oui, la pâte c'est la vie, c'est ce qu'ils disent en Italie en fait. Hein. Merci, c'est génial. Merci à vous.